Salut, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan exact, métrique, donc instrument de mesure que j'avais défini à l'appui de mon objectif principal de l'année 2022, qui était ma chaîne bourse, qui était en fait donc ma chaîne bourse, l'investissement en bourse pour tous. L'idée au-delà de la chaîne bourse, c'était de mettre en place un second pilier pour mon business, un pilier vraiment indépendant de ma chaîne Gabriel Clément. Alors avant de vous parler de ça en détail, vraiment vous allez voir, on va voir les choses très précisément, je voudrais simplement vous donner un petit peu, un petit peu de contexte par rapport à ça. En fait, moi vraiment dans ma vie, c'est-à-dire que dans mon, dans le but, je pense qu'on a tous en commun, c'est-à-dire dans l'amélioration de ma vie, dans le fait de créer une vie qui est de plus en plus la vie telle que je la veux, je pense que vraiment, enfin actuellement en tout cas, hein, parce que on peut changer et quand on passe à l'action, quand on passe massivement à l'action, en 5 ans on se transforme, en 10 ans on n'est plus du tout la même personne. Mais je pense en fait que actuellement moi mon but c'est plus d'être excellent dans mes différents domaines de vie, que ce soit la carrière, les finances, le cercle social, la relation de couple, mes projets personnels, mon amélioration personnelle, mon lifestyle. Donc vraiment de rechercher plutôt des résultats excellents dans différents domaines de vie plutôt que un résultat extraordinaire dans un domaine de vie en particulier. Parce que je pense que les gens qui ont un résultat vraiment extraordinaire dans un domaine de vie en particulier, ça demande de sacrifier les autres. Et moi, actuellement, en tout cas, c'est pas vraiment la façon dont je vois les choses. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, c'est pour ça que j'ai un petit peu ce côté où je suis pas spécialisé, ultra spécialisé dans quelque chose parce que tout simplement, c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi, c'est pas la façon dont j'évolue en tant que personne. Et donc, moi, dans mon idéal, vraiment, vraiment dans mon idéal, j'aurais bien tout aimé faire sur ma chaîne Gabriel Clément. J'aurais aimé que ma chaîne Gabriel Clément soit une espèce de tour de contrôle où en fait je parle de tout. C'est vraiment ce que j'aurais aimé faire. Cependant, en fait, ce qui s'est passé, il y a vraiment eu un point d'inflexion assez important dans ma vie puisque, vous le savez peut-être si vous me suivez régulièrement, en août 2020, j'ai atteint vraiment une grande vision qui était le fait de m'installer en Corée du Sud. Voilà, de réaliser ce fait de m'être installé. Et quand je dis installé, c'est d'avoir mon visa sur le moyen terme en Corée du Sud et donc de pouvoir me dire « Ok, je suis installé, je peux vivre en Corée du Sud. » Et en fait, depuis vraiment le moment où j'ai commencé à vivre de mes business en ligne, c'est-à-dire depuis novembre 2015, très rapidement, j'ai commencé à voyager en Asie. Et en fait, je veux dire que mon objectif, le but, c'était ça. Voilà, c'était vraiment le but et le business était un outil pour atteindre ce but, pour atteindre cette vision. Et à un moment donné, voilà, et pendant longtemps, vraiment, enfin pendant longtemps, peut-être qu'au final, ça a été sur une durée de 5 ans seulement, mais pendant longtemps, il y a eu des périodes où je me disais, j'y arriverai pas, il y a trop de choses qui me retiennent en Europe, je vais pas le faire, ça va pas être possible, etc. Donc il y a eu vraiment beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et à un moment donné, voilà, et c'est pour ça que souvent je vous dis aussi quand on passe à l'action, quand on continue, il y a les événements qui se mettent, voilà, cette espèce d'assistance, cette force d'assistance, l'opposé de la résistance qui vient vous aider, et d'un coup tout s'est accéléré. D'un coup tout s'est accéléré, d'un coup les opportunités se sont ouvertes et j'ai pu le faire. Et donc ça a amené à quelque chose, c'est qu'à un moment donné je me suis dit ok, et même j'avais posté une vidéo qui est toujours en ligne d'ailleurs où j'étais en train de me balader à Séoul et je vous disais ouais ça y est je viens d'avoir mon visa et tout, je viens d'aller retirer mon visa. Mais il y a une question évidemment qui s'est posée ensuite, c'est un petit peu cette idée que c'est un jeu sans fin, dans le sens où je me suis dit ok j'ai ça, et maintenant. Voilà, maintenant je l'ai, et maintenant. Alors bien sûr j'ai pris un peu de temps pour réfléchir, mais même si j'y réfléchissais déjà, parce que voilà, c'était en cours. Et ce que je me suis dit ensuite, ma nouvelle vision, le truc que je veux atteindre maintenant, c'est vraiment cette idée d'indépendance financière, de plus avoir à me soucier de l'argent. Et donc cette chose-là, on pourrait la matérialiser par le fait d'avoir 1 million d'euros de patrimoine, parce qu'à partir du moment où vous avez 1 million d'euros de patrimoine, ben voilà, sur ce 1 million d'euros, vous pouvez largement, puisque les tirer 3 4 000 euros, allez on va dire 3 3 500 euros de revenus passifs, c'est-à-dire de revenus qui sont générés par ce capital, hein, parce qu'il faut jamais oublier qu'un revenu passif, ça ne tombe pas de nulle part, c'est généré par quelque chose, donc un capital suffisant pour voilà, avoir de l'argent qui tombe tous les mois en faisant, enfin littéralement, juste généré par le capital. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je veux faire actuellement, ce dont je suis en cours actuellement. Et
Donc par rapport à ça, donc voilà, et là j'en avais aussi parlé dans cette vidéo, et donc par rapport à ça, ce que je me suis dit, c'est je vais commencer à me former, et notamment sur un domaine qui m'intéressait particulièrement, c'était le domaine de la bourse. J'avais déjà commencé à investir avant, mais voilà, je m'étais rapidement formé, mais j'avais pas vraiment creusé les choses en profondeur. Et là, j'ai commencé vraiment à creuser les choses en profondeur, et je me suis aperçu que plus je creusais, plus je me formais, plus ça m'intéressait, je sentais un petit peu, peut-être que vous avez déjà ressenti ça, vous voyez, quand vous commencez un domaine et vous sentez que vous avez cette... Il y a quelque chose, je me disais, waouh, quoi, mais je pensais pas que ça m'intéressait autant, je pensais pas que j'allais prendre autant de plaisir à me former, prendre autant de plaisir à réfléchir aux choses, à apprendre des choses. Et donc, ben, j'ai eu envie d'en parler naturellement, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu ce pivotement dans ma vie par rapport à l'ancienne vision voilà, de m'installer à Séoul qui était fait et qui donc était beaucoup relié à ben, le passage à l'action, l'amélioration personnelle, le mental, voilà, le fait de continuer à prendre action, etc., etc. Et là, d'un coup, j'ai pivoté finalement sur cette idée, enfin voilà, sur cette vision financière, et donc cette vision financière est donc notamment de la bourse, et donc j'étais vraiment très enthousiaste par rapport à ça, et donc j'ai eu envie d'en parler sur cette chaîne Gabriel Clément. Et donc mai 2020 environ, hein, je pense que c'est plus ou moins ça, les vidéos sont toujours en ligne de toute façon, j'ai fait toute une série de vidéos sur la bourse. Voilà, j'ai fait toute une série de vidéos sur la bourse, et vraiment j'avais essayé, alors même si voilà, j'ai encore beaucoup progressé depuis le temps, mais j'avais essayé vraiment de donner des informations, enfin, voilà, de vraiment travailler ces vidéos, et là en fait ça a été un peu la douche froide. Puisque ce dont je me suis aperçu, c'est que ben, en fait, il y avait toute une partie de mon audience, et probablement peut-être que vous en faites partie, de gens qui me suivent régulièrement, qui ont vraiment littéralement boycotté les vidéos. C'est-à-dire que voilà, dès qu'il y avait le mot bourse dedans ou le mot investissement dedans, qui littéralement ne cliquaient pas et boycottaient les vidéos. Et voilà, c'était un petit peu, comme je vous disais, la douche froide, dans le sens où, là aussi, peut-être que vous avez déjà ressenti ça, ou quand vous êtes vraiment super enthousiaste d'un sujet, je sais pas, vous êtes vraiment enthousiaste d'un sujet, vous avez envie d'en parler, vous avez envie de le communiquer, vous allez en parler à quelqu'un et vous voyez la personne en face qui est ultra fermée, vous voyez, qui vraiment a pas envie d'entendre parler de ça, quoi. Et c'était déjà quelque chose qui s'était un petit peu produit sur cette chaîne, Gabriel Clément, quand je parlais de business en ligne. Et donc là, j'ai vraiment eu cette espèce de réflexion et puis ensuite de prise de décision, je me suis dit j'ai pas envie de continuer comme ça. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que moi, à la base, mon idée, ça aurait été de tout faire sur la chaîne Gabriel Clément. Mais à un moment donné, vous savez, il y a toujours ce qu'on a envie de faire, ce qu'on fait et puis la réalité, ce qui se passe en réalité, le retour neutre quelque part de la réalité. Et le retour neutre de la réalité, c'est que l'audience que j'ai créée, qui est actuellement sur cette chaîne, bah une grande partie de cette audience, peut-être 50% de cette audience, n'a pas du tout envie d'entendre parler de bourse. Voilà. Alors après, c'est voilà, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur quand je dis ça, c'est juste que c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Et donc ça m'a amené à prendre cette décision de me dire, ok, bah je vais tout simplement, voilà, je vais pas ne pas en parler. C'est un truc qui est important pour moi, c'est un truc sur lequel je prends du plaisir, et donc la solution, c'est d'ouvrir une nouvelle chaîne, voilà, de repartir à zéro depuis, enfin de repartir à zéro entre guillemets, enfin dans ce cas-là de vraiment repartir à zéro, d'ouvrir une nouvelle chaîne, et c'est ce que j'ai fait en octobre 2021. Alors c'était quand même un challenge, hein. Très honnêtement c'était un challenge parce que voilà, aujourd'hui j'ai une certaine autorité dans le développement personnel, j'ai même une certaine autorité dans le business en ligne, j'ai publié pas mal de screens de ce que je gagnais, etc. Les gens qui sont sur la liste privée le savent, l'ont déjà vu, mais là c'était vraiment quelque chose où sur l'investissement en bourse, j'avais pas d'autorité. Voilà, je repartais sur une nouvelle chaîne qui était déconnectée de ma chaîne principale, où j'avais pas d'autorité. Donc c'était vraiment un challenge, surtout que la bourse c'est une thématique où on pourrait dire que c'est un peu une science exacte. C'est-à-dire que le développement personnel, par exemple, c'est pas une science exacte. C'est pas oui ou non. C'est des points de vue qu'on donne avec lesquels on parle avec conviction, mais c'est pas mathématique. La bourse, par contre, tout est vérifiable. Voilà. Si vous dites par exemple, c'est mieux d'investir 500 euros par mois, c'est mieux d'investir 500 euros par mois sur une période de 2 ans, ou c'est mieux d'investir directement si on a pas, voilà, si on a 10 000 euros, si on attendait que je fasse le calcul, si j'ai 10 000 euros, les investir directement maintenant ou les investir sur plusieurs mois à coût de 500 euros par mois, si je dis que l'un est mieux que l'autre, c'est vérifiable. On peut faire des calculs pour voir si, voilà, si ce que je dis est vrai. Donc tout ça fait que c'était quand même vraiment un challenge de lancer cette chaîne. Je l'ai lancé, je me suis lancé, voilà, j'ai pris cette décision, je me suis lancé en octobre, mi-octobre, fin octobre 2021. Et donc je me suis fixé cet objectif de réussir à en faire un second pilier pour la fin de l'année 2022. Donc, alors voilà pour le contexte qui était un peu long. Bon, je prends un peu mon temps pour cette vidéo parce que j'ai envie de vous raconter les choses. Voilà, ceux qui sont pas intéressés, bah voilà, ne regardent pas. Et puis voilà, c'est tout. Donc,
Maintenant qu'on a vu ça, très clairement, voilà exactement les instruments de mesure que je m'étais fixé. Parce que, encore une fois, vous savez, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on fixe un objectif, il y a l'objectif, ok, donc lancer cette chaîne, la chaîne bourse et en faire un deuxième pilier sur mon business. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si je me dis juste ça, comment je peux savoir à la fin de l'année, donc maintenant, comment j'aurais pu savoir à la fin de l'année 2022 que c'était vraiment, enfin que c'était réussi. Et donc voilà les piliers. Je me suis fixé différents piliers que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc le premier pilier pour vraiment pouvoir me dire j'ai réussi. Donc c'est-à-dire pilier numéro, enfin voilà check numéro 1, numéro 2, 20. Plutôt que de piller, quatre instruments de mesure différents que je me suis fixé pour pouvoir me dire « Ok, c'est une réussite ». Premier instrument de mesure, c'était le fait de créer un flux de trafic. Donc en fait, ce que je voulais faire sur cette chaîne bourse, c'est vraiment, comme vous pouvez l'imaginer, faire une vidéo tous les jours sur ma chaîne Gabriel Clément, c'est quelque chose, alors maintenant, voilà, c'est vraiment une routine, mais c'est quand même quelque chose qui prend du temps, voilà, ça prend quand même, voilà, il faut quand même avoir les idées de vidéos, les faire, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Donc, j'allais pas du tout repartir là-dessus, et puis aujourd'hui, c'est plus du tout un concept qui fonctionne. Donc, ce que je voulais vraiment faire, c'est me dire, je vais faire très peu de vidéos, et d'ailleurs, je vais regarder, ça va être très très rapide. Hop là, tac, investissement en bourse pour tous. Donc, si, maintenant ça l'affiche plus, quoi. Avant, ça l'affichait sur YouTube, maintenant ça l'affiche plus. Bon, c'est pas grave, attendez, on va compter. Je compte pas la vidéo de présentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Voilà, si j'ai bien compté, 20. Bon, autour de 20, quoi. Donc, autour de 20. Alors, peut-être qu'il y en aura une en plus qui aura été publiée entre temps. Mais voilà, donc une vingtaine de vidéos. Vous voyez, sur un an, 20 vidéos, c'est même pas une vidéo toutes les deux semaines. Donc, j'ai pas publié beaucoup de vidéos. Ouais, j'ai pas publié beaucoup de vidéos. Et donc, en fait, mon but, c'était ça. C'était que chaque vidéo soit vraiment trouver une formule. Hein, c'est ça qui m'a pris surtout. J'ai quand même mis pas mal de temps hein, pour trouver la formule, pour trouver la bonne formule qui fonctionne actuellement sur YouTube. Pour être vraiment, maintenant, la formule que j'utilise, je l'ai vraiment trouvée, vraiment, enfin, qu'elle soit bien cadrée à partir de mai. Donc, ça a pris 6 bons mois pour vraiment me former, puis ajuster pour que ce soit vraiment, vraiment carré et que chaque vidéo, je ne vais pas dire que chaque vidéo est un hit, mais que chaque vidéo, il y a vraiment un potentiel de référencement. Donc, voilà, peu de vidéos, bien référencées. Le but, créer un flux de trafic. Donc, créer un flux de trafic, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si je publie pas, il y a quand même des vues. Et donc là, ça a été le cas. Donc, je vous mettrai un screen si je le retrouve. Je pense que je le retrouverai, que j'avais déjà appris. Et pour moi, ça a vraiment été le moment où je me suis dit, OK, j'ai réussi. C'était en juillet. Parce qu'en juillet, j'ai publié 0 vidéo. Et malgré le fait que je publie 0 vidéo, il y a eu des vues pendant tout le mois de juillet. Alors, évidemment, proportionnellement au fait que ma chaîne soit une petite chaîne, mais il y a eu des vues pendant tout le mois de juillet. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était d'arriver à la fin de l'année à 2000 adresses mail qualifiées. Donc, qu'est-ce que je veux dire par qualifié? Je veux dire que ce soit des gens qui soient inscrits par ma chaîne YouTube parce qu'ils voulaient avoir quelque chose qui avait en rapport à la bourse et pas des gens que j'aurais trouvé à droite à gauche et surtout des gens aussi gratuits, pas de publicité, que des gens gratuits. Donc voilà, d'essayer d'avoir vraiment 2000 adresses mail qualifiées. Avec évidemment aussi de bien vérifier qu'il y ait un bon taux d'engagement, donc un bon taux d'ouverture, un bon taux de clic. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, voilà. Donc j'ai passé les 2000 adresses mail qualifiées avant le lancement de ma formation, c'est-à-dire c'était en octobre, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai passé les 2000 adresses mail qualifiées. Donc ça a été réussi. Alors aujourd'hui, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai nettoyé ma liste mail. Après le lancement de ma formation, j'ai enlevé tout ce qu'on appelle les cold subscribers, donc c'est-à-dire les gens qui, sur ConvertKit, je sais plus quand est-ce qu'ils, je crois que ConvertKit sont assez stricts par rapport à ça. Je crois que c'est au bout de 30 jours, si vous ouvrez pas un mail, si vous n'ouvrez pas un mail au moins une fois par mois, vous êtes passé en cold subscriber. Et donc en inscrit froid, hein, littéralement. Et je crois que j'en avais environ 300, tu dis peu, 284, 287, je sais plus, voilà. Et donc je les ai supprimés après le lancement pour avoir une liste. Et donc maintenant, je pense que je dois être, alors là, ça a un peu réaugmenté, peut-être à 1700, 1800, un truc comme ça, adresse mail. Voilà. Mais j'avais réussi cette chose-là qui était vraiment voilà, le deuxième point. Troisième point, troisième check que je voulais faire, c'était sortir une formation. Voilà, donc sortir une formation, faire le lancement de cette formation. Donc là, c'était partir sur un produit cher. Donc en l'occurrence, la formation en lancement, elle coûtait 289 €. Avec aussi, évidemment, faire une formation qui, évidemment, lancer une formation et pas n'importe comment, une formation où il y ait vraiment un axe spécifique et un vrai avantage concurrentiel. Bon, donc voilà, bon, alors ça, c'était un petit peu en plus parce que c'est toujours difficile d'être super objectif par rapport à ça. Je pense que j'ai fait ça. Et le but, c'était, voilà, en tout cas, que le lancement soit fait, voilà, parce que c'est toujours important
important parce que, et ça j'ai vraiment noté que c'était important parce qu'à un moment donné, à la fin de l'année, j'ai commencé à me dire, ah bon, est-ce que je lance la formation, est-ce que j'attends pas un peu, et voilà, donc c'était vraiment intéressant d'avoir cette deadline dès le début de l'année ou quasiment tout, enfin oui, c'est qu'au début de l'année j'avais prévu vraiment ce lancement en novembre et je m'étais dit je le fais à ce moment-là, voilà, je le fais à ce moment-là, j'ai bien fait parce que sinon on est vraiment tenté de repousser. Et ensuite, dernier check, c'était le fait de vendre au moins 20 exemplaires de la formation, ce qui a été fait aussi. Donc voilà, voilà, les checks ont été réussis, donc c'est un succès, voilà, c'est un succès pour moi, en tout cas je le considère, je me dis voilà, j'ai réussi ce que je voulais faire, j'ai réussi à cocher toutes les cases qui me permettent de dire ok, j'ai lancé un nouveau pilier pour mon business qui va pouvoir maintenant évidemment grandir avec le temps. Alors pour être tout à fait, voilà, je vais vous dire vraiment les choses, alors je pourrais m'arrêter là, mais je vais vous dire vraiment les choses telles que je les ressens, hein, parce que le but encore une fois c'est aussi de vous donner de l'inspiration, de vous dire que c'est jamais parfait, que tout n'est pas parfait, qu'on est des humains, et que je ne réussis pas tout vraiment, loin s'en faut. Et donc objectivement, en début d'année, je m'étais dit, ok, ces choses-là, parce que je les avais programmées en début d'année, je m'étais dit, ok, voilà, si je les atteins, je serais vraiment très content, voilà, parce que franchement, je me disais quand même, hein, voilà, surtout les 2000 adresses mail qualifiées, tout ça, c'était pas facile parce que la bourse, c'est quand même un truc où il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde, c'est très concurrentiel, c'est difficile de se faire une place, quoi. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur tout le début d'année sur la formule pour faire des vidéos, et non seulement la formule pour faire des vidéos, donc la formule pour que les vidéos se référencent bien, mais la formule pour vraiment avoir un bon watch time et faire en sorte que ça corresponde bien au fait de faire des vidéos longues qui font très 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 bien aujourd'hui sur YouTube actuellement avec l'algorithme YouTube, et donc évidemment que les gens restent. Donc j'ai vraiment travaillé à fond là-dessus. Et en fait, il y a vraiment eu à partir de mai, juin, juillet, juillet, j'ai pas publié de vidéo, mais c'était, il y a vraiment une première accélération, et puis ensuite vraiment une deuxième accélération, je crois que c'était en août, c'était début août, une deuxième accélération, vraiment, où ça commence à accélérer très fort, et j'étais vraiment surpris très agréablement des résultats, vraiment, j'étais vraiment surpris très agréablement des résultats, et en fait, je dois dire, donc c'est là où je voulais en venir, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est que l'enthousiaste et les résultats qui étaient quand même supérieurs à ce que je pensais en termes, alors même si ça reste mesuré dans le sens où que voilà, j'ai que 1500 abonnés, voilà, c'est pas non plus, mais quand même, et parce que c'est quand même super concurrentiel, et en fait, la transcription des ventes de formation, j'ai trouvé qu'il y avait une différence quand même entre les deux. Voilà, donc j'ai quand même réussi à atteindre ce que je m'étais fixé, mais voilà, juste avant, je pensais faire mieux. Franchement, je pensais faire mieux en termes de vente de formation. Et voilà, c'est quelque chose que j'explique sûrement par le fait, enfin en tout cas, après on n'a jamais la réponse 100%, hein, il faudra retester, là je referai un lancement l'année prochaine et je vais pouvoir essayer d'améliorer les choses. Mais je pense que c'est une question de, malgré tout, de manque, de manque un petit peu d'autorité slash preuve sociale. Parce que malgré tout, voilà, je suis quand même habitué aujourd'hui à avoir une chaîne, voilà, où les gens me connaissent, où j'ai une certaine autorité, etc. Et quand vous relancez une autre chaîne dans un autre domaine, quand vous avez une chaîne YouTube qui n'a jamais que 1500 abonnés, c'est-à-dire que l'air de rien, avoir 1500 abonnés ou avoir 15 000 abonnés, c'est pas pareil. On pourrait se dire, je dis la même chose, mais vous pouvez dire la même chose avec la preuve sociale, c'est quelque chose qui joue à fond. Donc voilà. Voilà, je vous dis ça surtout, c'est un secret, pas un secret, mais je vous le dis plus pour vous dire que voilà, j'essaie d'être transparent avec vous et vous montrer que voilà, je veux pas avoir cette image où j'ai tout réussi, c'est parfait, etc. Voilà, donc ça c'est mon objectif principal. Alors, ceci dit, j'avais aussi lancé un objectif qui était secondaire. Alors, assez rapidement, je me suis un peu au début de l'année, j'étais vraiment à fond, puis après, je me suis un petit peu désengagé. C'était ma chaîne super fan aussi. Voilà, à un moment donné, là, vraiment, à partir de septembre, j'ai vraiment lâché parce que j'avais la formation bourse à faire, etc. Et donc, il y avait beaucoup, voilà, à un moment donné, je me suis dit, je pouvais pas tout faire, ou sinon, j'allais mal faire les choses et je voulais pas. Je voulais vraiment que cette formation soit une formation référence qui allait durer, sur laquelle j'allais pas revenir immédiatement, sauf pour faire des mises à jour, mais je voulais vraiment qu'elle soit, voilà, une grosse formation de plus de 20 heures. Donc, voilà, je voulais vraiment qu'elle soit vraiment, vraiment, vraiment une formation dont je suis 100% fier. Et donc voilà, du coup après j'ai le dernier trimestre, j'ai lâché la chaîne Superfan et ça m'a permis quand même de réfléchir justement, puisque là je pense que j'allais quand même c'était un projet qui datait en fait de plusieurs années, puisque cette chaîne j'avais ouvert une première fois en 2020 sous le nom de la chaîne Tribu. Et donc là justement ça m'a permis de repenser différentes choses, puisque là maintenant finalement cette chaîne bourse là, elle va rouler, je veux dire, hein, cette année voilà, elle va rouler.
Là, il va falloir que bah, il va, enfin, je vais simplement me concentrer sur le fait d'améliorer encore les vidéos, de produire des vidéos, mais globalement, voilà, de rectifier certaines petites choses que je veux améliorer, enfin, de rectifier plutôt d'améliorer certaines choses, le gros du travail est fait, c'est-à-dire que ce qui est vraiment très compliqué, vous le savez si vous êtes créateur de contenu, c'est de vraiment l'impulsion de départ. C'est ça vraiment que j'ai fait cette année. Après, bah, ça continue et souvent c'est de plus en plus facile parce que la boule de neige accélère de plus en plus. Donc ça a demandé quand même du travail, mais beaucoup, beaucoup moins que cette année. Et donc cette année, je vais me consacrer à un autre projet business, voilà, dont je vous parlerai assez prochainement, qui arrivera, bon, je sais pas trop quand encore, voilà, j'ai pas encore tout défini, mais voilà, ça va vraiment être ça que je vais faire cette année parce que voilà, là aussi j'ai vraiment, voilà, enfin là aussi c'est quand même quelque chose qui est important pour moi et vraiment, enfin je vous en parle régulièrement, mais je pense vraiment que il y a un énorme avenir dans le, ce qu'on pourrait dire, le one person business, c'est-à-dire le business de solopreneur. Voilà, on est tout seul, on est créateur de contenu et je pense que c'est vraiment un truc qui est assez énorme. Voilà, et en tout cas, j'ai ce feu en moi. Voilà, c'est littéralement, c'est juste que j'ai ce feu en moi et que même si je me dis, bah, je vais plus en parler, je peux pas. En fait, à chaque fois, je me dis, bah, non, si, voilà, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et quand vous avez quelque chose, et justement, là, quand vous, peut-être, c'est le moment de l'atteindre des objectifs, quand vous avez quelque chose, vous vous dites, non, il faut que je le fasse, non, il faut que je le fasse, non, il faut que je le fasse, ben voilà, vous devez juste le faire. Voilà pour cette vidéo. Alors, je voudrais juste vous terminer avec deux choses. La première chose, c'est que vous avez voilà, l'accès au pass illimité pour avoir toute mon expérience dans le fait de se fixer des objectifs. Il y a aussi le domaine social, il y a aussi le domaine des finances, il y a aussi le domaine du business, hein, parce qu'il y a des formations qui parlent de ça dans ce pass illimité. Donc, vous avez deux offres pour le pass illimité, l'offre mensuelle sans engagement et l'offre annuel pour rester pendant un an avec un tarif très préférentiel. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Et puis aussi ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est que ouais, j'ai essayé de faire une longue vidéo. Le but n'était pas de faire une longue vidéo, en fait elle est beaucoup plus longue que ce que je pensais, mais j'ai essayé de faire une vidéo détaillée, c'est plus ça que je voulais dire, par rapport à cet objectif. Et en fait, voilà, moi ce que je vous demanderais maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, et surtout si vous faites partie des gens qui me suivaient régulièrement, ou en tout cas sur la durée, plus ou moins régulièrement sur la durée, voilà, mettez en commentaire votre objectif numéro 1 de l'année. Voilà, engagez-vous, c'est vraiment important. Alors, voilà, je vous le dis, alors je sais que peut-être que tu es en train de m'écouter maintenant, voilà, tu m'écoutes maintenant, toi, voilà, toi qui est pas vraiment en face de moi, mais derrière un peu qui est de chez toi en train de me regarder par cette vidéo. Voilà, je te le dis à toi, maintenant je m'adresse juste à toi, mais fais-le, voilà, fais-le, tu vois, fais-le, mets ton objectif, dis-moi c'est quoi ton objectif. Ça peut paraître bateau, tu vois, mais c'est important, franchement c'est important, et si les vidéos que je fais, si tu regardes plus ou moins régulièrement mes vidéos et qu'elles t'apportent de la valeur, ben voilà, aussi c'est important pour moi, tu vois, de savoir que tu as des objectifs et de noter ton objectif, où est-ce que tu veux en être à la fin de l'année 2023. Donc voilà, fais-le maintenant, si tu veux aller plus loin aussi, il y a le pass illimité, premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.